Des centaines d'organisations de toutes tailles et de tous secteurs d'activité utilisent la technologie d'enquête intelligente de Supermood pour maintenir le lien avec leurs employés, malgré la distance. Les moments avec les collègues manquent, clairement. Le petit café, pouvoir aller entre nous, se remotiver, se redonner un peu de force pour la suite de la journée, clairement, il n'y avait pas, quoi. T'es seule chez toi, tu passes un appel, mais c'est pas du tout la même chose. Le confinement est tombé à un moment donné où l'activité était juste au maximum pour nous. Donc c'est vrai qu'il a fallu qu'on trouve tout de suite un moyen de pouvoir travailler en équipe à 100% en fait en télétravail du jour au lendemain. J'étais peut-être plus à l'aise en mars que maintenant. C'est-à-dire qu'en mars, c'était quelque chose d'assez nouveau, mais de clair, on était à 100% en télétravail. Et là, on est un peu dans une période de flou. On ne sait pas trop si on doit être en télétravail, pas télétravail. Il y a un point, c'est que je suis plus inquiète aujourd'hui pour mon boulot qu'en mars. Et aussi, autour de nous, on voit qu'au niveau de la sécurité de l'emploi, c'est moins sûr aujourd'hui qu'en mars, quoi. Enfin, c'est clairement le contre-coup de ce qui s'est passé en mars. On est beaucoup de jeunes dans l'équipe, mais c'est vrai qu'avec les grades supérieurs, on a beaucoup moins de contacts. Ils ont l'habitude de faire un déjeuner par semaine, des choses comme ça. Là, il n'y a plus du tout ça, c'est-à-dire qu'on ne se contacte que pour le travail. Ouais. Je pense que ça dessert un peu à la cohésion d'équipe. En tant que nouvelle salariée, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire remonter. Enfin, quand je devais râler, je le faisais avec mes collègues les plus jeunes ou en famille, quoi. Mais je ne le faisais pas forcément remonter à l'entreprise ou en équipe. Rejoignez des centaines d'entreprises qui transforment les contraintes liées à la distance en opportunités de dialogue.